20 bienfaits inusités des relations sexuelles sur la santé. Nous reviendrons vers vous juste après l'intro. Le bienfait du sexe sur la santé, vous respirerez mieux. Le sexe a la réputation d'être un antihistaminique naturel, utile contre le rhume des foins et les symptômes de l'asthme. Un bienfait santé pour le moins étonnant. Ce n'est cependant pas la quantité, mais bien la qualité de nos relations sexuelles qui compte le plus. Un orgasme peut être purement mécanique. Il importe donc beaucoup, pour sentir tous les bienfaits du sexe sur notre santé, de se sentir bien, épanoui et d'avoir une vie sexuelle saine, qui convient à nos besoins affectifs et physiques. 2. Vous aurez l'air plus jeune grâce aux bienfaits du sexe. Une vie sexuelle heureuse est la clé, pour vivre sainement, et paraître plus jeune, selon une étude menée sur 3500 personnes âgées de 18 à 102 ans. Les chercheurs attribuent ce phénomène à plusieurs facteurs associés à l'activité sexuelle, réduction du stress, plus grande satisfaction et meilleur sommeil. 3. Le sexe et ses bienfaits permettent à votre corps de mieux combattre la maladie. Des relations sexuelles une ou deux fois par semaine produisent chez les protagonistes une augmentation de 30% du taux d'immunoglobulina qui renforce votre système immunitaire. Selon les chercheurs, une vie sexuelle active peut même réduire vos risques de cancer, de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales. En plus, et ce n'est pas négligeable, c'est un remède contre le rhume et la grippe. 4. Vous brûlerez des calories grâce à la sexualité. Comme tout exercice, les relations sexuelles brûlent du gras et des calories, environ 96 calories par période de 20 minutes pour une personne de 68 kg, 150 lb. Cela veut dire que vous brûlerez le verre de vin supplémentaire que vous avez bu au souper et qui vous a peut-être mise dans l'état de faire l'amour. 5. Le sexe a comme bienfait de diminuer la douleur. Selon les études, la stimulation vaginale augmente la tolérance à la douleur. De même, l'autostimulation du clitoris pour se donner du plaisir a un effet analgésique. Les chercheurs rapportent que ce type de stimulation peut diminuer la douleur chronique ou occasionnelle. 6. Vous vivrez plus vieux si vous avez souvent des relations sexuelles. Une étude longitudinale menée au pays de Galles a examiné le rapport entre la mortalité et la fréquence des actes sexuels. Les chercheurs ont trouvé que le risque de décès, quelle que soit l'année donnée, était 50% moins élevé chez les hommes qui avaient des rapports sexuels deux fois par semaine, ou plus que chez les hommes qui en avaient moins d'une fois par mois. Et même en ajoutant les paramètres de l'âge, de la classe sociale et du tabac, l'étude en a conclu que plus on avait de rapports sexuels, mieux on se portait. 7. Le sexe a le bienfait de favoriser une sensation de bien-être. Les rapports sexuels favorisent autant la santé sexuelle et reproductive que le bonheur. Dans une étude américaine portant sur plus de 1800 sujets, les chercheurs ont trouvé que l'orgasme entraîne des montées d'ocytocine et d'endorphine, qui ont un effet sédatif réel, ce qui explique pourquoi l'on s'endort souvent après avoir fait l'amour et que l'on sent un grand sentiment de bien-être. 8. Le sexe aide à réduire le stress et l'anxiété. L'explosion d'endorphines, qui se produit dans le cerveau, lorsque l'on atteint l'orgasme aide le corps à se relaxer et à atteindre un niveau de bien-être bien plus durable que l'on pense. Cette sensation de bien-être aide donc à diminuer le niveau de stress et même, à long terme, d'anxiété. 9. Le sexe peut favoriser un meilleur équilibre hormonal. L'explosion d'hormones, qui se produit dans le cerveau et dans tout l'organisme humain lors d'une relation intime ou sexuelle est non seulement agréable, mais aide aussi à réguler tout le système hormonal. Une vie sexuelle saine et active, pratiquée avec confiance et bonheur, aide donc à favoriser un meilleur équilibre hormonal, ce qui est non seulement bon pour la santé, mais aussi pour le moral. 10. Le sexe protège contre le cancer du sein. Grâce à l'ocytocine, l'hormone du bonheur, les femmes dont les seins sont régulièrement caressés risquent moins d'être atteintes d'un cancer du sein, selon les experts. L'ocytocine, qui contribue à une sensation d'euphorie et de bien-être, atteint son niveau maximum dans le sang au moment de l'orgasme. 11. Le sexe a comme bienfait de protéger contre le cancer de la prostate. Comme pour les femmes, les hommes aussi bénéficient d'une vie sexuelle active. Une étude a en effet démontré que les hommes qui éjaculent fréquemment sont moins à risque d'être atteints d'un cancer de la prostate. Selon les experts, 21 éjaculations par mois réduiraient le risque de cancer de la prostate de 33%. 12. Le sexe aide à favoriser une bonne circulation sanguine.
Le sexe favoriserait une meilleure circulation générale dans le corps, fournissant ainsi tous les organes vitaux en sang et les libérant des toxines. Des relations sexuelles sur une base régulière diminueraient ainsi l'inflammation, réduisant du même coup les risques de maladies cardiovasculaires. 13. Le sexe a comme bienfait de calmer le système nerveux. La respiration profonde, que l'on a en plein ébat sexuel, est plus lente et plus calme. Cette respiration a des bienfaits sur le stress, et c'est tout le système nerveux qui en profite. Le système parasympathique, qui régule l'organisme dans son ensemble, est aussi renforcé. Cela permet de prévenir les infections bactériennes et les virus. 14. Le sexe favorise une bonne santé du cerveau. Faire l'amour, c'est déclencher une pluie de neurotransmetteurs dans le cerveau. L'ocytocine, la sérotonine, la dopamine, la testostérone, même chez la femme, et plusieurs autres hormones vitales sont sécrétées, activant ainsi les activités cérébrales. C'est donc toutes les capacités d'apprentissage qui sont bonifiées, la pensée, la mémoire et la pensée. 15. Le sexe augmente la libido. Avoir des relations sexuelles régulièrement favorise une bonne libido. Le fait de faire l'amour, souvent donnerait en effet le goût d'avoir des relations sexuelles de façon régulière. Il s'agit aussi d'une réaction physique puisque le corps, habitué à avoir des relations intimes et de la stimulation sexuelle, augmente la lubrification vaginale, favorise la circulation sanguine dans les parties génitales et accroît l'élasticité des muscles. Tout cela permet ensuite d'avoir une vie sexuelle encore plus agréable. 16. Le sexe est bon pour le moral. La sexualité permet de développer le sentiment de conscience de soi et de renforcer l'identité et l'estime. Il s'agit d'une excellente façon d'exprimer et de combler nos besoins, nos désirs, nos émotions et nos humeurs. Tout cela est très bénéfique pour le moral et pour une bonne santé mentale. 17. Le sexe favorise un bon fonctionnement de la vessie chez la femme. L'exercice physique que provoque une relation sexuelle sur les muscles pelviens est bénéfique pour prévenir l'incontinence et favorise un bon fonctionnement de la vessie. L'orgasme, qui provoque la contraction des muscles de la région pelvienne, est une excellente façon de renforcer le système urinaire chez la femme. 18. Le sexe a comme bienfait de combattre l'insomnie. Vous avez déjà remarqué que vous vous endormiez plus rapidement après une relation sexuelle ? Vous ne rêvez pas ? Après avoir fait l'amour, encore plus si l'on a atteint l'orgasme, le corps sécrète de la prolactine, l'hormone responsable de la relaxation et du sommeil. La proximité avec votre partenaire permet aussi de calmer le stress et de favoriser un sentiment de confort et de confiance, ce qui favorise un sommeil réparateur, même lorsque l'on souffre d'insomnie. 19. Le sexe aide à réduire la douleur. J'ai mal à la tête pourrait bien devenir une bonne raison de faire l'amour. Les hormones que l'on sécrète lors d'une relation sexuelle et après un orgasme aideraient à diminuer les douleurs chroniques. Les endorphines sécrétées pendant une relation sexuelle auraient les mêmes vertus que la morphine sur les personnes atteintes de migraines et de maux de tête sévères. 20. Le sexe aide à soulager les douleurs menstruelles. Une relation sexuelle ou un orgasme pendant nos règles aiderait à diminuer la douleur associée à la période menstruelle. Les contractions à l'utérus provoquées par un orgasme permettent de relaxer le muscle de l'utérus et de diminuer les crampes menstruelles. Le fait d'avoir des relations sexuelles pendant les menstruations permettrait de diminuer leur intensité et leur durée. Veuillez vous abonner, aimer et partager la vidéo si vous l'avez appréciée. Nous serons de retour bientôt avec une toute nouvelle vidéo pour vous.